règles statutaires de l'entreprise sont donc très strictes et les obligent à déclarer les doubles activités. Après avoir contesté la décision de l'entreprise ferroviaire au Prud'homme en 2018, qui ont rejeté sa demande en 2020, la Cour d'appel de Lyon a validé la mise à la porte du chanteur à la fin du mois de septembre dernier. Dates de vos concerts et de vos enregistrements, y compris à l'étranger, disponibles publiquement sur différents réseaux sociaux plusieurs semaines en amont correspondent quasi systématiquement à des périodes d'absence pour maladie. Or, il apparaît que ces concerts ne sont jamais annulés en raison de votre état de santé, et votre présence peut même être constatée.